L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Albert Camus. La citation d'Albert Camus souligne l'idée centrale de sa philosophie de l'absurde. Voici une explication simple. 1. Confrontation. Camus parle d'un affrontement entre deux éléments, l'appel humain et le silence du monde. L'appel humain représente notre quête de sens, de compréhension et de valeur dans la vie. C'est notre désir naturel de trouver des réponses à nos questions existentielles. 2. Silence déraisonnable du monde. En revanche, le monde, la réalité qui nous entoure, ne fournit pas de réponses claires ou de sens évident. Il est souvent indifférent à nos espoirs et à nos aspirations. Ce silence peut sembler déraisonnable car nous attendons une certaine logique ou une explication à notre existence. 3. L'absurde. L'absurde naît donc de cette tension entre notre besoin d'ordre et de signification et l'indifférence du monde. Cette prise de conscience peut créer un sentiment de désespoir, mais aussi une liberté. Camus nous invite à accepter cette condition et à vivre pleinement, même sans réponse définitive. En résumé, Camus nous fait réfléchir sur la nature de notre existence et sur la manière dont nous pouvons trouver un sens, malgré l'absence de réponse claire dans le monde qui nous entoure.